الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. Le mois du Ramadan est rentré. Comme vous le savez, Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans la Sourate 2, verset 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindriez-vous la piété. Donc, maintenant que nous sommes dans le mois du Ramadan, aujourd'hui nous sommes rentrés dans le mois du Ramadan, nous devons comprendre que c'est le mois du Coran. Deux versets après ce verset, dans le verset 185, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit le mois du Ramadan, le mois auquel le Coran nous est descendu comme guide pour les gens et comme bonne direction, bonne voie claire et un moyen de discernement. Et donc, ce mois-là, c'est le mois du Ramadan. C'est le mois où on célèbre le Coran. On célèbre le livre qui est un guide pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et c'est à nous d'honorer ce livre par le mois du Ramadan. Nous ne sommes pas des adorateurs du Ramadan. Nous sommes des adorateurs de celui qui a créé le Ramadan. Et nous célébrons le mois du Coran. Alors ce mois doit être un mois qui doit changer notre vie. C'est un mois qui nous permet de nous élever, de devenir meilleur. C'est le mois qui va nous permettre non pas juste de faire un régime, de s'abstenir de manger et de boire, mais plutôt un mois qui nous permet de laisser de côté le fait de nourrir notre corps pour plutôt nourrir notre âme. Et c'est l'âme qui reste éternelle. C'est l'âme qui a besoin d'être nourrie. C'est l'âme qui a besoin d'être purifiée. Et c'est l'âme qui te permettra de œuvrer comme il le faut. Comme je le dis très souvent, le corps et l'âme sont liés. Si dans ton âme, si ton âme est purifiée, et c'est ça le but du mois du Ramadan, si ton âme est purifiée, tes actions physiques, ton corps et tout ce qui s'ensuit ne seront que le reflet de ce que tu as dans ton âme. Alors profitons de ce mois de Ramadan pour être des gens qui veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous souhaite tous un très très bon Ramadan. On va faire quelques petites séries de vidéos pour vous accompagner dans ce mois béni. Alors je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.